Maman, c'est fait, oh. Dans 2 semaines, je pars en Angleterre pour mon stage. Oh, c'est pas possible. Maman, c'est ça. Le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle. Jusqu'ici, l'éternel Dieu nous a fait courir. Oh, jusqu'ici, l'éternel Dieu nous a fait courir. Maman, c'est pas encore fini. Étant donné que j'ai été le major de ma promotion, tous les frais du voyage sont pris en charge. Wow. Maman, je serai directeur de société. Oh, c'est je serai directeur de société, maman. Bon. Jusqu'ici, l'éternel Dieu nous a fait courir. Jusqu'ici, l'éternel Dieu nous a fait courir. C'est un petit commio. Grâce à son travail bien fait à l'école, il part en Angleterre pour continuer ses études. Je m'en vais. Explique-moi un peu. C'est l'école de mon fils Komi chéri qui lui demande d'aller chez Blanc là-bas. Il va continuer papier là. Et puis à son retour, il va travailler dans une grande société chez nous ici. Tu as vu, je t'avais dit, j'ai dit ce petit là, c'est un grand type. Tu as passé tout ton temps à pleurer. Vraiment, mon petit, je suis content. Félicitations. Viens, je vais te mettre le dos. Je suis lourd. Non, c'est pas grave. Viens. Bon, mon mon petit est lourd, mais ça fait aller. Non, vraiment, je suis content. Mais félicitations, mon petit. Vraiment, mes félicitations. Merci beaucoup, docteur. C'est que je vais tout à l'heure, je vais retirer de l'argent, je reviens. Tout à l'heure, je viens, mon petit. Vraiment, ma soeur. Félicitations. Merci beaucoup. Mafoué! Elle est où là? Oh, Mafoué! Mafoué! Oui! Oh, viens ici! Vas-y, y'a quoi encore? Tu vois le petit commis là? Mais le petit là, ça va en Angleterre? Attends, je ne te suis pas du tout. Sérieusement, je te parle. Est-ce que tu m'as une fois suivi dans cette maison? Je te suis quasi. Il faut parler. Tu vois le petit qui a perdu son papa il y a 10 ans de cela. Oui, cela. Oui. Sa maman a vendu à Loco jusqu'à aujourd'hui. L'enfant vient récompenser sa mère avec son voyage pour l'Angleterre. C'est bien ça. C'est bien. Mais c'est bien. Ah, ce n'est pas comme ton vaurien de Patrick là qui passe son temps à enceinter toutes les petites filles du quartier. Tout le temps, c'est moi qui viens déranger ici avec grossesse. En plus, il n'a que le bac. Il ne veut plus rien faire. Il faut aller au moins à l'école. Il ne veut plus partir. Tout ça, là, c'est ta faute. C'est ta faute. Kazi, tu ne vas pas revenir sur cette situation. Je vais revenir encore et puis revenir. Non, dans cette maison, tout est de ma faute. C'est ta faute. Ton fils commet une bêtise, c'est de ma faute. Le chat, c'est de ma faute. C'est ta faute. La souris, c'est de ma faute. C'est ta faute. Ton pied est cassé, c'est de ma faute. Tout ça, là, c'est ta faute. C'est ta faute. Ah, arrête-moi ça. Tu exagères. Oh. Oui, patron, on dit que les maisons sont... Ah, c'est bien.
C'est pas ça, on est là. Mais patron, émergence là, c'est quoi au juste? L'émergence, c'est la croissance, c'est le développement rapide, économiquement parlant, d'une nation. Alors, l'État est en train de s'investir à construire les routes, les hôpitaux, les écoles, pour que la population vive dans de meilleures conditions, tu vois. Mais nous, on nous a pas dit ça comme ça. Nous, on a faim. Non, mais c'est ça, hein? Ce sont les sacrifices. D'accord. On est déjà dedans, on va faire comment? Il faut supporter, ça va aller, t'inquiète. C'est le fast-food, la nourriture rapide, les hamburgers, poulet, poisson, tout est déjà pré-cuit. Tout est bien. Attends. Depuis que tu es parti, tu n'étais pas encore coupé les cheveux. Ah, maman, cheveux la laisse comme ça. On n'a pas vraiment le temps là-bas. Tu veux qu'il y ait 13? Non, maman, c'est pas ça. Avec les études, avec le froid aussi, il fait beaucoup froid là-bas. Donc ça permet de garder un peu la chaleur. Aïe, non tout, apporte de l'eau. Elle est tellement contente de te voir là depuis là. Non mais ça fait vraiment longtemps tout ça. Maman, il y a quoi ici? Il y a beaucoup de bruit, hein, c'est animé. Mon fils, toi tu connais pas le quartier là. Il y a des enfants qui ont eu longtemps en 6e là, ils sont en train de fêter, c'est ça qui en a. Ah mais c'est bien, bruit. C'est bien. Mais ça met un peu de l'ambiance dans le quartier, oui, c'est bien. Ouais, non tout. Ah maman, le verre est encore là. Ah mon fils, je peux pas jeter. C'est le verre de mon fils chéri quand même. Ouais. Ah. Et une conservatrice, hein. Merci, notre. Ok, mon fils, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ton arrivée. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, te rendons la gloire. Merci, Jésus, pour tout tes bénédictions. Merci pour ma famille que je retrouve. Mon adorable fils, quelles sont les nouvelles? Tu sais bien que j'aime pas les cérémonies. Hein. Les nouvelles, elles sont bonnes. Mm-hmm. Je suis venu mettre à profit tout ce que j'ai appris là-bas. Mm-hmm. Notre vie va changer, maman. Mmh. Oui, notre vie va changer. Parce que déjà dès le lundi, je pars pour un entretien d'embauche. Tu dis quoi? Oui. Oui. Où je serai embauché en tant que directeur de société. Gloire à Dieu! Ah oui, amen, maman. Et comme je te l'ai dit, je suis venu mettre à profit tout ce que j'ai appris là-bas. Et
voilà, là-bas j'ai été le meilleur, je suis le meilleur et je resterai toujours le meilleur. Amen, mon fils. Nous allons prier pour sécuriser tout cela. Sois le bienvenu. Merci bien. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok. Comment s'est passé ton séjour? Alors, mon séjour, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Dans les débuts difficiles, mais bon, ça va. Gloire à Dieu. Tu sais, je veux que tu me racontes tout dans les moindres détails. Je veux uniquement que les détails. D'accord, responsable. Allô, monsieur. Tout de suite, monsieur. Seigneur, pourquoi? Qu'ai-je fait, Seigneur? Il trouve que je suis égocentrique, que je suis rempli de moi-même. Seigneur, je m'en remets à toi. Monsieur, oh, tu vas où? C'est-à-dire... C'est-à-dire que quoi? Non seulement tu n'as rien dans la tête, tu passes ton temps à te promener dans le quartier. Tout ça là pour citer les filles de ce quartier. Ça veut dire quoi ça? Regarde, pour ton information, le petit commis là, ton ami, il est revenu de son voyage. Il sera directeur de société bientôt. Sale petit. Tu ressembles à ta mère, ça tu ne tiens pas ce comportement de moi. Je me pose des questions à ton sujet. Beaucoup de questions. Kazi, mais pourquoi tu parles de cette manière? Parler comme ça? Je vais toujours parler comme ça, c'est dans ma maison. Ce n'est pas une bonne manière de parler, surtout devant notre fils. Fils de qui? Ce bourrien là? Qui est devant moi? Sinon je vais te trouver là-bas dessus. Je vais te gifler. Je quitte, hein. Mais sache que je ne suis pas du tout contente. Et toi, Bobby, change un peu. Regardez-le. Qui te donne de voir les gens là-bas? Regarde comment ils marchent là-bas.
Maman. Oui. J'ai un entretien d'embauche. Mon fils, que le Seigneur t'accompagne. Amen. Je vais prier pour toi. Vas-y. Ok, maman. Mmh. Parcours vraiment excellent, monsieur Komi. Il est vrai que vous n'avez pas été recommandé par un établissement, mais nous croyons que vous pouvez commencer à travailler dans notre entreprise. Vous avez une place. Bien sûr, madame. Je dirais que c'est avec plaisir que je ferai partie de votre effectif pour mener ainsi à bien les activités afférentes à votre entreprise et ce à long terme. Je n'en doute pas, cher monsieur. Madame, mon assistante que voici, était très enthousiaste quand elle a reçu votre dossier et donc j'ai tenu personnellement à vous rencontrer. Merci, madame. Et je crois qu'avec la grâce du Seigneur, tout ira pour le mieux. Il me semble que vous êtes un fervent chrétien. Oui, madame. Mon seul appui, c'est Jésus. Laissez-moi vous poser quelques questions. Êtes-vous arrogant, coléreux, imbu de votre personne? Oh, madame, je dirais que mon Dieu m'est témoin. Je suis de nature une personne très calme, posée, respectueuse. Et ce sont des principes et des valeurs qui font de moi un bon chrétien. Dans ce cas, je mets fin à cet entretien. Je peux vous féliciter. Vous êtes désormais notre nouveau directeur administratif. Merci et financier. Bien, vous serez rémunéré à 150 000 francs. Pour un début. Pardon, madame, j'ai bien entendu 150 000. Bien sûr. 150 000 francs? Avez-vous reçu mon CV? Est-ce que vous avez lu mon CV, madame? Effectivement. Madame, 150 000 francs de nos jours? Est-ce que vous avez lu mon CV, madame? Effectivement que je l'ai lu. Madame, je crois pas. Est-ce que vous avez bien reçu mon CV? Avec tout ce bagage intellectuel, avec tous ces diplômes, 150 000? Mais c'est absurde, madame. C'est absurde. Vous n'avez pas besoin de ça. Donnez-moi mon CV. J'aimerais vous dire que l'esclavage est terminé. Merci. Et je ne suis pas intéressé. Merci, madame. Monsieur Komi. Quoi? Vous aurez pu avoir le plus gros salaire après moi. Parce qu'en réalité, les 150 000 francs ne concernaient que votre salaire journalier. Ce qui vous donne 3 millions de francs CFA comme salaire mensuel. Madame, je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est trop tard, vous venez de perdre un poste. Madame, pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est le diable. Madame, c'est Satan, c'est le diable. Pardonnez-moi. Madame, je vous en supplie. Je ne sais même pas ce qui m'a pris, madame. Pardonnez-moi. Madame l'assistante, s'il vous plaît, demandez pardon à madame. C'est pas la peine. Madame, pardonnez-moi. Je vous en supplie, madame, pardonnez-moi. Monsieur, vous avez senti. Madame, je vais me mettre à genoux. C'est pas la peine, c'est pas la peine, ne vous fatiguez pas. Sortez de mon bureau, qu'est-ce que vous attendez? Madame. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Madame.
mais tu vas prendre. Votre rendez-vous, il est pour quelle heure? Il est pour 16h, madame. Et vous avez quelle heure à votre montre? Madame, il est 16h45. Mais vous êtes en retard. Désolée, on va vous recontacter une prochaine fois. Il me semble que vous êtes un fervent chrétien. Oui, madame. Je suis de nature une personne très calme, posée, respectueuse. Et ce sont des principes et des valeurs qui font de moi un bon chrétien. Vous serez rémunéré à 150 000 francs pour un début. Avec tout ce bagage intellectuel, avec tous ces diplômes, 150 000, je ne suis pas intéressé. Maman, qu'est-ce que tu as, maman? Quoi? Maman, tu veux de l'eau? J'ai mal à la poitrine. J'ai mal. Oh, très mal. De tout. Maman, qu'est-ce que je peux va faire? Va m'appeler prodigieux. Ok, maman. Thank you.
Série Casimir. Ok, c'est votre épouse? Non, c'est une voisine de quartier, hein. Mais maintenant là, c'est ma soeur. Voilà. D'accord. Eh bien, votre soeur est très angoissée. Mm-hmm. Elle vient de faire une poussée hypertensive. Je voulais savoir, vit-elle un stress particulier? Oui, à ma connaissance, elle est tout le temps stressée. Elle est tout le temps stressée parce qu'il y a son fils qui ne travaille pas là. Bon, ça la fatigue. C'est un peu ça, je suppose. D'accord. Bon, pour le moment, nous avons besoin de stabiliser sa pression artérielle. D'accord. Et donc, après les différents examens que nous venons de faire, okay. Je vais vous donner cette ordonnance. D'accord. Et veillez à ce qu'elle prenne régulièrement ses médicaments. Ok. 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 Merci beaucoup, docteur. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et prenez soin d'elle. Il n'y a pas de problème. Okay. Je compte sur vous aussi. D'accord. Au revoir, monsieur. Casimir est passé et il a tout payé. Il est même allé à la pharmacie chercher le reste des médicaments. Et il dit que demain, nous allons effectuer les analyses demandées par le docteur. Ah bon? Il a tout payé? Oui. Eh hey, Seigneur, vraiment merci. Tu fais toutes choses bonnes pour tes enfants. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Ah, Toto Kazimi. Ouais, comment ça va? Ah, bien, Toto. On va prendre la place. Merci. Comment va l'autre maman sur le Tati? Elle est couchée. Elle s'endort maintenant. D'accord, super. Bon, voici la médicament. Merci, tonton. Merci beaucoup. Vraiment, tout le Seigneur te bénisse. Amen. Pour tout ce que tu fais pour nous. C'est tout normal, mon petit. C'est tout normal. Dans longtemps, hein? Monique. Est-ce que tu as m'appeler? Tu sais que je t'aime. Sinon, je vais t'inviter pour quoi? Je vais acheter un poulet pour toi. Pourquoi? Je veux que tu sois ma femme. C'est pour ça que ça, j'ai appelé. Je suis heureuse de ta volonté. Mais tu connais ma vie. Je suis chrétienne. Commence par accepter Jésus. Attends, dans la fin de mariage, il y a affaire d'église dedans encore. Moi, je t'invite. Je te fais à manger tout. Et tu me parles d'église. Arrête-moi tes bêtises là. Tu sais qu'il y a des femmes qui n'attendent que ça. Est-ce que tu sais? Faut te décider, hein. Tu veux ou tu veux pas. Toi-même, tu sais que j'ai un penchant. Non. Tu as accepté Jésus et obéi à sa parole. D'accord, c'est ton dernier mot, hein. Dernier mot. D'accord. Il n'y a pas de problème. Attends, j'ai fini ma bière. Je suis allé causer avec ton Jésus. Tu es vraiment sûr de toi, hein. C'est ma décision. D'accord. J'ai acheté un poulet pour toi, c'est pour me parler des paroles comme ça. Il y a combien de temps qu'elle dort?
Bon, ça fait un bon bout de temps. Voilà. D'accord. Bon, je vais devoir aller à la maison, comme depuis le matin je suis sorti. Mm-hmm. Je vais aller voir ce qui se passe à la maison et puis bon. Je vais repasser encore. D'accord. Ok. Donc, veillez sur elle. Et puis tout à l'heure. Ok. Au revoir. Au revoir. Merci d'autant. Au revoir. Viens t'asseoir. Non, putain. Alors, Achille, oui. C'est toi qui vas maintenant t'occuper de tout mon espace. Ok. Voilà, je suis appelé à d'autres fonctions. Voilà, là, je commence les CD. D'accord? Il n'y a pas de souci. Okay. Mais patron, les CD, c'est quoi? Les CD. Oui. Achille, ce sont les coups à domicile. Les coups à domicile. Voilà. Les coups à domicile. Là, il y a mon patron qui m'a appelé. Je dois aller prendre son enfant. Ok. Lui dispenser des coups. Ok. Tu as le téléphone? Okay. Voilà, tu gères bien mon espace, tu gères bien la cabine, les journaux aussi. Il n'y a voilà. Pas de souci, patron. Ok. Ok, merci, patron. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Tu t'occupes de mon espace, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, bien. Merci. Allez, après. Appel, 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 appel. Sur les coups de mon fils? Oui, madame. C'est bien. Prends soin de lui. C'est compris, madame. C'est quel nom déjà? Madame, c'est Komi. Komi. Agence de voyage. Monsieur Dodo à l'appareil. Voilà. Mm-hmm. Je voulais confirmer le vol de ce soir. Athènes, c'est bien ça. Ok. Donc je voulais voir si toutes les dispositions ont été prises. Voilà. Ah, ok. Ok. Je vous remercie. Alors, Komi. Oui, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Quelle ponctualité. C'est bien. Tu as fait du bon boulot, apparemment. Je suis agréablement surpris des résultats de mon fils. Et je tenais personnellement à te le dire. Monsieur, je dois dire que votre fils est intelligent. Il a simplement besoin de quelqu'un à ses côtés pour le pousser. Tu sais, j'ai énormément de boulot ici. Hein? Et je suis emmené à effectuer beaucoup de voyages à l'extérieur. D'ailleurs, cet après-midi, je vais pour Athènes. Et pour 10 jours d'ailleurs.
Je dois vous avouer, monsieur, que j'aimerais un jour occuper un poste comme le vôtre. Ah, comme... Tu sais, pour être à mon niveau, il faut faire de grandes études. Moi, j'ai un master en administration des entreprises. L'année à l'International School of Business d'Accra. Et bien d'autres diplômes. Donc je vais te dire, travaille, bosse, et après tout ça, ça suivra. En fait, monsieur, j'ai un master en administration obtenu à l'ESCA de Yaoundé. Et j'ai bénéficié d'un stage en Angleterre, d'où je suis sorti major de ma promotion. Tu es ESCA? Oui, monsieur. Ok, voilà ce qu'on va faire. Tu me prépares ton CV et de retour de mon séjour à Athènes, on en reparlera. C'est compris, monsieur. Ok? C'est bon. Je t'en prie. Ne baisse pas les bras. Tiens, juste un petit quelque chose pour ton transport. Merci, monsieur. Non, je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Ok, bonne journée à toi. Merci, monsieur.
Attends, n'est-ce pas Komi que je vois là-bas? Mais c'est lui. Nadji, s'il te plaît, va m'appeler ce jeune homme qui fait la pointe de ça là-bas, en t-shirt noir. Je vais bien, Tati. Qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement là ici? Bon, Tati, c'est ce que je fais un peu pour me défendre. Avec la santé de maman qui n'est pas stable, tout ça. Ta mère va bien? Bon, un peu. D'accord. Si tu m'appelles, tu passeras lundi me voir. D'accord, d'accord. Il a le trouvé quelque chose pour toi. D'accord, Tati. Merci, Tati. Non, t'inquiète pas, ça va venir. Merci, Tati. Merci. Seigneur Capoforo. Oui. Oh, c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone. Donc, il faudrait voir avec mon gestionnaire pour la transaction financière. Je pense que le bateau a été déjà chargé. D'ici deux jours, vous allez recevoir le bateau au port de Malabo. Ok. D'accord. D'accord. Donc, à très vite. Hein, à très vite. Merci beaucoup, monsieur Capoforo. Ok. Tanti Marlène. Comment tu vas? Bien. Ça fait un bout de temps que je t'attendais. Oui, les embouteillages. Ah, ok. D'accord. Ben, tu m'as paru très préoccupé au téléphone. Oui, ça ne va pas. J'ai vraiment un souci. Il s'agit de mon neveu. Voyez-vous, Mr Zen, je viens de le voir faire la pontique Baka avec un master en administration des affaires. C'est pas vrai? C'est vrai. Un master en administration des affaires et il est apprenti Baka. Vous voyez, ça me chagrine un peu depuis la dernière fois. Donc je suis venu vous voir pour que vous m'aidiez. C'est terrible. Vous lui direz de passer me voir lundi. Lundi, ce sera bon. Je serai certainement à la maison et puis bon, je verrai avec mes relations ce que je peux faire pour lui. Ça marche. D'accord. Merci beaucoup, Mr. Zen. T'as pas à me remercier, Tanti Marley. Non, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir t'aider. D'accord. Attends, tu vas juste prendre ça pour le transport. C'est pas grand chose, hein. Mais bon. Bien, hein, mais bon. Mr. Zen. Voilà. Oh, non, tu sais, Tanti Marlène, avec tout ce que tu fais pour moi, hein, c'est rien, ça. Vraiment, c'est un plaisir de faire avec vous. Également, plaisir. Et Concedo, voilà, les affaires, comment ça va? Oui, super bien. Surtout, je tenais même à te dire merci encore. La fois passée, c'était super. Vous connaissez en matière de qualité. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour vous de rencontrer mon neveu. C'est encore meilleur. D'accord. Il n'y a pas de souci, je te fais pleinement confiance, je sais que tu tiens toujours tes promesses, donc je n'ai pas à me soucier. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, là moi j'attends encore des opérateurs économiques. Okay. Quelques contrats là. Donc, je pense qu'on aura le temps de se rappeler, hein. Oui. Et puis peut-être en discuter encore. En tout cas, merci beaucoup, et puis tu passes une très très belle soirée. À bientôt. D'accord, à bientôt. Thank you.
Qu'est-ce que tu as crié mon nom dans tout le plateau comme ça? En fait, Rachel, je souhaite te parler. Si tu le permets. Ok, puisque tout le plateau sait que tu veux me parler. Parle donc. En fait, Rachel, depuis fort longtemps, j'aurais voulu te le dire, mais c'est maintenant que l'occasion se présente à moi. J'aimerais que tu sois en fait ma fiancée. Tu dis quoi? Qu'est-ce que je ferai avec un rejeton comme toi? Mais Rachel, pourquoi tu te comportes ainsi? Je suis sérieux. Parce que j'ai l'air de plaisanter. Ok, puisque le culte est terminé, que tu n'as plus rien à faire. Bonsoir. Tu es là? Oui, un peu, monsieur. On t'a servi quelque chose à boire? Enfin... Non, monsieur, merci beaucoup. Merci. D'accord. Tu sais, tu peux m'appeler Zen. C'est compris, monsieur Zen. Oh, pardon, Zen. Tiens, je suis toujours Zen dans ce que je fais. J'ai eu... Tu peux t'asseoir. Il y a Tanti Marlène qui m'a beaucoup parlé de toi. Elle m'a laissé entendre que tu avais pas mal de diplômes. Actuellement, tu n'avais pas d'activité. C'est bien ça, hein? C'est exact. Écoute, tu es le neveu à Marlène. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis dans une organisation qui aide les jeunes gens. Et les jeunes gens comme vous qui veulent briller dans ce monde. Et avec ce qu'on aura à t'offrir, tu n'auras pas à chercher du travail. Mais monsieur Zen, si je comprends bien, vous avez parlé d'une organisation. Exactement. D'accord, pour ma part, il n'y a pas de souci. Hein. Écoute, on va faire du coup s'emballer. Tu sais, l'organisation à laquelle j'appartiens est une organisation secrète. D'accord, dans laquelle les activités doivent être strictement secrètes. Et avec tout le potentiel que tu as, avec tous les diplômes, je pense que tu pourras facilement gravir les échelons. Je pense que on a beaucoup de choses à t'offrir, tu vois. Mais monsieur Zen, qu'est-ce que vous faites là? Parle de ton avenir, calme-toi, d'accord. Mais monsieur... Attends, j'ai beaucoup de choses à t'offrir. Calme-toi, d'accord. Tu sais, tu es beau, tu es un jeune homme plein de vie. Monsieur, écoute. Je reprends un coup de fil et je reviens. D'accord. Allô, monsieur Van Nechticht. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir au téléphone. Effectivement. D'ici peu, je vais effectuer un voyage sur Berlin. Je pense que à ce niveau-là, on aura l'occasion de discuter de pas mal de choses. Exactement. Exactement. Écoutez, moi je vous rappelle d'ici peu et puis on pourra vraiment discuter de long en large. Ok. Merci beaucoup. Excuse-moi mon petit. Si... Ah. Mais oui, mais... Oh, mais c'est pas vrai. Il est parti.
c'est pas... Oh, oh. Les jeunes de maître, ils sont pas du tout ambitieux. Pas du tout. Pas du tout ambitieux. Mr. Zen. C'est un malentendu. Non, je n'avais pas prévu ça, Mr. Zen. Allô? Vous avez parfaitement raison. Écoutez, on va trouver une manière de s'arranger. Oh my God. Je vais trouver, voilà, un autre produit. Et cette fois-ci, je vous l'offre gratuitement. D'accord. Allô? C'est sérieux cette affaire. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes dans une clinique et malheureusement, vous avez été victime d'un accident de la circulation. Est-ce que c'est vous le médecin traitant? Non. Je suis en 7e année de médecine et en préparation de mon doctorat. Enfin, votre malaise est réveillé. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Ah, comment allez-vous? Je vais bien. Ah, ça se voit. Vous avez bonne mine ce matin. Et il y a eu plus de peur que de mal. Ah, dites-moi, est-ce que vous avez une de la famille qu'on pourrait joindre pour vous libérer? Docteur, personne ne sait que je suis ici. Personne ne sait que je suis victime d'un accident. Ce n'est pas bien grave. Ah, miss. Docteur? Préparez le dossier pour qu'on puisse le libérer en ce jour. Portez-vous bien, monsieur. Merci, docteur. Madame Mermont, merci beaucoup. De rien, monsieur. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, avez-vous vu le patient de la chambre 4? Il vient à peine de sortir. Merci. Je vais chercher un taxi, rentrer à la maison. D'accord. Mon père qui passe me chercher tout à l'heure, donc je souhaiterai qu'on vous dépose en rentrant. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Bon appétit.
ne te gêne pas, sens-toi en famille. C'est compris, maman. En tout cas, maman, laisse-moi vous dire que vous êtes un vrai cordon bleu. Hein. Ah, vraiment? Merci bien, mon fils. Bon appétit, elle. Que malgré ma situation médiocre, ta condition n'est pas médiocre. Comme notre Seigneur a toujours été avec toi, major de la promotion d'une école de prestige de notre pays, couronné d'un stage à Londres. Comme notre Seigneur sait où il va avec toi, donc reste calme et observe. Mais Esther, je dirais que cela fait 3 ans. 3 bonnes années se sont écoulées. J'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Ne dis pas ça. Notre Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Regarde-moi par exemple. Tu constates que je ne suis toujours pas mariée. Pourtant, toutes mes amies le sont déjà. J'en souffrais, c'est vrai. Mais j'ai fini par comprendre qu'au temps favorable de Dieu, ça se fera. Et en tant que fille de l'Éternel, le mariage est un droit. Donc, je ne crains plus rien. Esther, merci infiniment pour ton soutien. Bonjour ma fille. Mais il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu cette voix chanter dans la maison. Maman. Que me vaut cette joie? La dernière fois qu'elle chantait, il y avait Roger qui nous visitait. Et maintenant c'est commis. Vraiment, tu as bien remarqué mon fils. Vous feriez mieux de terminer votre suite de moi.
Quel âge une elle est donc? Tu prends rien? Je viens juste pour ça. D'accord. Au revoir, ma chérie. Bonne journée. Ça va la santé? Oui, je vais bien, monsieur. Je vois que vous êtes étonné. Évidemment. Je suis la personne qui vous a secouru lors de votre accident. Ah, c'est vous? Eh bien, oui. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Mais que faites-vous ici? Je viens de finir un entretien d'embauche. Entretien d'embauche? Oui, monsieur. Pour quelle structure? Le groupe FGS. FGS? Oui, monsieur. Ah, ok. Suivez-moi dans mon bureau. Jesus, I believe.
one day everything will En toi je place ma foi.